Hop, mon truc est, c'est fini, j'ai plus d'énergie. Plus d'énergie, ok. Donc en fait, là, tu viens de sortir de l'audience pour les 4 de JM. Oui, donc qu'est-ce fait. Qu'il en est? Est-ce que le délibéré a été effectué? Est-ce que tu as pu plaidoyer? Parce que je sais qu'il manquait juste mettre sur les et puis toi-même. Oui, est-ce oui, que tout à fait. Vous avez pu faire vos plaidoiries? Exactement. Non. J'ai commencé ma plaidoirie et il me restait encore une heure et demie en fait de plaidoirie. J'ai été coupé dans mon élan. Parce que il y a eu en fait la sirène du tribunal en fait qui s'est mise à hurler en fait, qui s'est déclenchée. Et on a dû sortir, aller voir, comprendre. Plein de fumée en fait dans la salle des pas perdus, à l'intérieur du tribunal. On a vu en fait les policiers dans tous les sens en fait, en train de je ne sais quoi, parce qu'au départ on n'a pas trop bien compris. Et on a appris en fait que il y a eu des véhicules qui ont été brûlés à l'extérieur. Tout était barricadé, en fait on ne pouvait pas sortir en fait du tribunal, là on a pu sortir. Voilà, donc eu égard à ça, eu égard à cette situation, moi-même en fait j'ai mon véhicule qui est garé au Théâtre Saint-Ville, donc voilà, donc ça a créé en fait une situation très exceptionnelle. Il n'y avait plus la sérénité des débats. Et donc on a demandé au tribunal en fait de renvoyer cette affaire. Parce que simplement, bon, très tard, nous sommes à 10h30, il est 22h30 hein, à peu près. Nous avons sollicité en fait ce renvoi. Nous avons pris des conclusions en ce sens et nous avons demandé la mise en liberté de nos clients, considérant que les circonstances ne permettaient plus que les droits de la défense en fait soient respectés, que la sérénité des débats, donc un procès équitable en fait, soit maintenu. Donc voilà, ce qui s'est passé, quelque chose d'assez extraordinaire. Alors même en fait que la jurisprudence sur ce point est assez claire, malgré tout, le tribunal s'est retiré revenu pour nous dire en fait qu'il maintient en fait l'audience. Et donc mes confrères et moi-même, nous avons décidé de nous retirer. Oui, vu les conditions. Parce que vous savez même pas ce qui se passe. Tout est voilà, etc. On s'est senti en danger. On ne peut pas passer en force comme ça. Il n'est pas normal en fait qu'un tribunal puisse décider de passer en force, bafouant en fait les droits de la défense, mettant en danger en fait, parce que personne ne sait. Personne ne sait ce qui pourrait se passer. Donc, dans les circonstances. Et les policiers eux-mêmes étaient paniqués, puisque. On les a vus paniquer, on les a vus à l'intérieur paniquer, on les a vus partir dans tous les sens, venir avec des choses, des boîtes entre leurs mains, etc., dans tous les sens. Et avec toutes les combinaisons de protection. Et puis il y a aussi les greffières qui, la loi est claire à leur sujet, qui ne doivent pas dépasser les 10 heures, donc qui sont là depuis 8 heures. Okay. Et donc voilà, il y a tout ça, vraiment en fait. Donc les greffières sont encore là pour le délibérer, c'est ça? Ah ben oui, mais nous supposons qu'en fait que. Mais ça va finir sa plaidoirie, comment peuvent-ils. Parce que ils n'ont cure en fait du respect en fait. Des droits de la défense. Ils n'ont cure. Ils font comme ils veulent. En tous les cas, c'est ce qu'ils prétendent, en fait. Donc, ce dossier, c'est précisément ça, en fait, qui est dénoncé à travers ce dossier, à savoir qu'en fait, que c'est cette absence de considération pour le respect de la dignité, notamment des 4 prisonniers, des 4 prévenus politiques. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et qu'est-ce qu'il en est pour Lulu et Volcan? Mais Lulu et Volcan, là en l'occurrence, eh bien, nous attendons. Ils sont à l'intérieur là. Oui, ils sont à l'intérieur. Nous attendons voir. Nous attendons voir en fait ce que décidera le tribunal. Rien ne l'empêche d'ailleurs en fait de revenir sur sa décision par rapport aux circonstances en fait qui n'ont pas changé. Très particulier. On le voit, on a vu un tas de policiers. Tas de CRS en fait passer, là ils sont là
plus d'une dizaine, quinzaine en fait là devant nous, armés, il y en a plein partout, etc. Donc les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir en fait assurer la sérénité des débats. On ne peut pas en fait prétendre maintenir une audience en fait dans une telle situation. Mm-hmm. Pourtant, c'est ce que le tribunal a décidé. Ok, donc Kevin et Baramil, bon, ils sont à l'extérieur, juste derrière toi. Donc en fait, pour eux, eux aussi, ils sont libres. Ils se sont sentis en danger dans cet espace. Je pense que voilà, qu'ils ont voulu aussi se mettre à l'abri. Mm-hmm. Voilà. Et bon, on peut parler de tout ce qui s'est passé en deux journées, mais quel est ton sentiment après ces deux journées par rapport... Après ces deux journées, mon sentiment, c'est que dans ce dossier, a été monté à charge, très clairement. Il n'y a pas eu, en fait, dans ce dossier, des éléments... des auditions visant à permettre en fait que la vérité des faits soit véritablement connue. Et donc il a fallu, après ce constat, que la défense fasse entendre des témoins qui auraient dû être entendus durant, parce que ce sont des témoins en fait qui étaient tout à fait accessibles en enquête préliminaire ou même en enquête de flagrance. Je parle en fait puisque c'est le 12, ça aurait pu être fait. Ça n'a pas été fait. Donc il a fallu que ce soit nous en fait, alors que les enquêteurs savaient très bien que ces témoins-là étaient présents. Mmh. Savaient et ont vu ce qui s'était passé. Pourtant, ces témoins n'ont pas été entendus. Donc, nous les avons cités. Ils étaient là et ils ont pu restituer la vérité des faits. En outre, nous avons versé au débat une vidéo qui permet de constater que ce que ces deux témoins ont dit est vrai, hein, à savoir notamment le rapport qu'ils ont eu avec notamment ce fameux monsieur Larcher ou les autres en fait à l'intérieur en fait de la société JM. Voilà. Par ailleurs, nous avons aussi veillé à ce que la méconnaissance de la société martiniquaise soit comblée, s'agissant en fait des juges, s'agissant du procureur de la République, en faisant citer un historien notamment, et une représentante de l'association des ouvriers agricoles, hein, pour permettre en fait à ces juges en particulier de s'imprégner de la vérité sociale martiniquaise. Et ça a été, je dirais, efficacement fait par ces dix témoins. Et donc, sous ce point, c'est vrai que ces juges ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. En tous les cas, en relation avec ce dossier, les témoignages ont pu permettre de voir comment se tissent les relations de domination, qui domine qui, les exploitations sous les exploitations des ouvriers, l'empoisonnement des ouvriers, etc. L'empoisonnement des terres, et puis l'empoisonnement de tout le monde, en fait. Hein, de l'eau et de tout le monde, en fait. Et qui sont là et qui continuent à faire. D'accord. Donc, tout ceci, et d'ailleurs, il aurait été proposé, s'ils le souhaitaient, de faire une visite, je dirais, in concreto, hein, voilà, mm-hmm. voilà. Sur place et voir un peu, voilà, parce que c'est là, mais cette Martinique là, la vraie, elle est ignorée parce que simplement, eh bien, cette perception depuis la bulle de la France qui consiste en fait à plaquer sur notre réalité
un projet qui n'est pas le nôtre. Un paradigme. Et, un paradigme, en fait, tout à fait. Un système, d'ailleurs qualifié par un des témoins de système de violence systémique, en fait. Un système fondé sur la violence à notre égard, hein, qui a très bien restitué, en fait, cette réalité-là. Et donc, voilà, c'est ça. Il me semble, en fait, que la vérité a été dite, la vérité a été manifestée, la vérité a été incarnée. Incarnée notamment par ces quatre militants politiques qui sont venus à là-bas et qui ont dit ce qu'ils avaient à dire et qui ont dit efficacement ce qu'ils avaient à dire. La raison. Parce que, en effet, ce qui, je dirais, était prévu et planifié, il me semble, en fait, à l'encontre de l'intérêt de la vérité, c'était que les effets soient condamnés et que la cause, en fait, soit absolue, en fait, soit protégée, voilà, etc. Bien, nous avons su, nous avons pu, nous avons décidé de non, ça ne se passera pas comme ça. La cause a été dite, la cause a été manifestée et la cause a été dénoncée. Et nous disons qu'en fait, que, en effet, le temps où la cause va demeurer avec la complicité de, des instances, en particulier, de ceux qui prétendent en fait assurer l'ordre public, tout le temps où la cause va être protégée, va être sauvegardée par eux, eh bien le désordre public en fait sera maintenu parce que c'est la cause qui est source du désordre public que nous connaissons, et que nous voyons là encore aujourd'hui. Et en permanence. En permanence, oui. C'est structurel. Ok, ben je te remercie. Donc, d'ailleurs, okay. On voit des policiers déjà derrière. En fait, ça, c'est à BAC. Ah là, tu vois. Ben voilà, hein, là devant, là derrière, je suppose que... Ah oui, je l'ai mis partout. Voilà. Partout. Ils sont là. Ok. Ok, ben merci beaucoup. À bientôt. Merci. Libérés. Laissez-le passer.